Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, le Verbi, Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Ahouda, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Richa, Batran, Nechemi, ainsi que Birfouat, Avram, Ruben, Ben Reout, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions à Sechet Zbachim, Perek Vav, Mishna Vav, Lo Hesir et Amura'a, Velo et Hanotza, Velo et Benemeaim, Ayotz Imima, Velo Sfago, Bamelach, Kor, Sheshinaba, Meachar, Shemitza et Dama, Keshera, Hivdil Bachatat Velo Hivdil Baola Psula. Mitsadama Roche Velo Mitsadama Gouf Psula. Mitsadama Gouf Velo Mitsadama Roche Keshera. On va continuer pour rappel. Je vous fais le point pour le moment des deux Mishnah précédentes. Des points à retenir pour voir ensuite entrer dans cette Mishnah Vav. C'est simple. Tout d'abord, la Melika, on s'en rappelle bien comment est-ce qu'on fait la Melika. On prend le poulet dans la main, le Mickey de la Mishnah précédente, une d'avant. D'accord ? Avec l'ongle. Regardez entre parenthèses quelque chose de super intéressant. C'est que, il y a un passage dans les Yechezkel, bon, on ne va pas manger trop. Concrètement, si vous prenez aujourd'hui un poulet, une volaille, un pigeon, vous voulez le manger, vous allez lui faire la Melika, le poulet sera taref. Il sera interdit, il n'aura pas été égorgé selon les règles de la Torah qui nous a dit de prendre un couteau, de lui couper les deux simanim, où il faut tout de suite couper les deux simanim, et sûrement pas passer par la mafrequette, parce qu'on la rend taref avant d'arriver au simanim. C'est un grand chidouche que la Torah nous a dit de faire sur les poulets, sur les volailles, encore bas, de leur faire spécifiquement la melika. Et regardez, encore vous allez me dire, bon, le misbeach il mange, le misbeach il mange pas, mais la khatataof elle est consommée par les kohanim. C'est vrai, les kohanim sont en train de manger du taref, quoi. D'accord ? Et l'ama, ça, c'est pas du taref, parce que la Torah dit, là, je te demande de manger de la sorte, et là, tu manges de la sorte, et si tu inverses, tu vas te mettre à faire un korban avec un couteau, une olataof, tu vas la faire, une khatataof, tu vas la faire avec le couteau. Sache que là, elle sera trefa, parce que là, je te dis, là, tu de la battre autrement. D'accord ? C'est le principe, c'est très, très original, si on réfléchit à la question. On a les Kohanim au Beth Amikdash qui mangent une BMA apparemment, qui mangent une volaille qui est apparemment taref, qui n'a pas été égorgée, abattue avec un couteau comme les règles le demandent. Mais malgré tout, mitzvato bekar, la mitzvah, leur devoir elle est de faire de la sorte et de manger ensuite, donc il n'y a aucun problème. Enfin, je reviens sur la Mishnah. Donc on apprenait la Melika, comment est-ce qu'on fait la Melika. Différence essentielle, khatata of, la khatat, expiation, elle est consommée par les Kohanim entièrement. La Ola, elle est consommée par le misbéach uniquement, de ce fait. D'ailleurs, la khatat, on la faisait en bas, et la hola, on la faisait en haut, et on devait ensuite la brûler. Maintenant, une différence importante qu'on a vue, c'était que pour la khatat, il fallait juste couper un siman, et ensuite couper la moitié vers la moitié. Alors, il y a deux simanim, on appelle le siman les deux conduits de l'œsophage et la trachée artère. Donc il y a deux conduits. Quand on fait la shrita d'un animal, en général, on veille, la Torah l'impose, de couper les deux simanim, nécessairement. De couper et la trachée artère et l'œsophage. D'accord ? Pour la khatata of, maintenant, pour les poulets d'abord, même pour nous, avec un seul siman, on s'en acquitte, on aura l'occasion de parler de ça quand on étudiera Maseret Roulin. Pour les korbanot qu'on fait avec les volailles, alors la Torah nous a dit, pour le khatat, tu devras lui couper un siman, mais pas l'autre, et laisser la tête rattachée. Et de la sorte, tu asperges, lorsqu'elle est comme ça, avec la tête à moitié coupée, tu asperges sur le misbéach, et après tu donnes ça au kohanim, et les kohanim vont la manger. Pour la hola, on a vu qu'il fallait nécessairement sectionner la tête complètement. Il fallait lui couper les deux simanim, lui détacher la tête complètement. Ok ? Ça va être le sujet maintenant de notre Mishnah, de nous dire, parmi toutes les choses que je t'ai demandé de faire, qu'est-ce qui est invalide et qu'est-ce qui n'invalide pas le korban? La Mishnah commence à nous dire Lo hesir et amura'a velo et anotza. Pour le moment, on continue à parler de la ola. Pour rappel, pour la ola, on avait appris qu'il fallait enlever le jabot. Il faisait ça avec le couteau. Il faisait un rond autour du lieu où il y a le jabot. Il retirait ça, la peau. Il retirait ensuite le jabot avec la partie des intestins qui suivait. Donc, s'il n'a pas fait ça, le Kohen, il a été un peu trop ému, c'est la première fois qu'il le faisait, par exemple, il a retiré la tête, il a salé, il a jeté, après il a pris le corps et quoi ? Il a sectionné, il a salé, comme ce qu'on avait appris, qu'il sectionnait mais sans séparer les deux parties, il
Il a salé, il a jeté, et puis après il réalise qu'il n'a pas jeté le jabot. Est-ce qu'il n'avait pas retiré le jabot? Donc le jabot, il arrivait sur le misbéach. Est-ce qu'il s'est acquitté ou pas? La Mishnah nous enseigne. Lo esiret amura'a, tatatata, kshera, ça va être kasher, c'est bon. S'il n'a pas retiré le jabot, ce sera kasher. De même, velo et anotza, ou encore s'il n'a pas retiré les plumes qui étaient autour, sur cette partie-là. Ouais, il a ouvert, il a retiré le jabot, mais il a oublié de retirer aussi, de faire le petit rond, là où il y a au niveau du jabot pour le retirer en même temps. Ou encore, velot benemaim ayotzimima. Il n'a pas retiré non plus les intestins qui étaient tirés en même temps que lui. Ou encore, il les a retirés, mais le velos fagobamelar. Il n'a pas mis du sel, ni sur la tête, ni sur le corps. Il a oublié de mettre du sel. Malgré tout, la Mishnah nous enseigne. Kol sheshinaba me'achar shemitza et dama keshera. À part toute différence de procédé, de rituel qu'il a fait, mais achar shemitza et dama, depuis le moment après qu'il ait fini d'être mematsé le dam, de verser le sang sur le misbéach, keshera. Le korban reste kasher malgré tout. Il s'est acquitté de son devoir. Pour rappel, c'est le même principe qu'on avait appris. L'essentiel du korban, pour le valider, pour dire que je me suis acquitté de mon korban, c'est toujours le don du sang sur le misbéach, l'aspersion du sang sur le misbéach. En l'occurrence, la olata of, depuis le moment où il a fini la melika et il a versé le sang sur le misbéach, comme on a appris qu'il prenait le poulet et l'écrasait contre la paroi, contre le mur du misbéach en haut. Alors là, ça s'appelle qu'il a donné le sang sur le misbéach. Il a versé le sang sur le misbéach. D'accord? Alors, à partir du moment où le sang est arrivé sur le misbéach, on s'est acquitté de la mitzvah, même si ensuite on s'est trompé, on s'est embrouillé, on n'a pas retiré le jabot, on a oublié de mettre le sel, on s'est acquitté. D'accord? Par contre, Yvdil bachatat velo Yvdil baola. Là, on se rapporte sur le moment où on fait la melika. L'abattage original avec l'ongle. Alors, si elle était mavdil bechatat, il avait un chatat arof à faire et il a fait sauter la tête complètement. Il a enfoncé tout son ongle et il a coupé les deux simanim et il a retiré la tête complètement pour une chatat arof. Ou encore, velo yvdil baola. Il devait faire un korban ola et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a fait la melika, il a coupé un seul siman mais il a laissé la tête reliée et ensuite il a jeté le poulet avec la tête reliée en même temps. Il n'a pas fait en deux parties comme ça. Psoula, le korban a été invalidé. Pour quelle raison? Retenez la règle. C'est très simple, c'est d'ailleurs rapporté dans le Bar Tanoura. Dekol shinu yishu lifnei avodat. Je suis dans le livre Matril Pasoul. Dekol shinu yishu lifnei avodat hadam. Avodat hadam Pasoul. Toute différence, modification qui a été réalisé avant la fin de la avoda du sang, c'est-à-dire avant qu'on ait fini de donner le sang, alors ça invalide. La Torah t'a dit, tu procèdes de la sorte, jusqu'à ce que tu vas arriver à donner le sang sur le misbéach, toute erreur que tu vas faire du début jusqu'à la fin dans cette partie-là, jusqu'au moment où tu as donné le sang, tu as posé le sang et de l'animal, il est arrivé sur le misbéach, alors ça invalide. Mais une fois que tu as fini de donner le sang sur le misbéach, si toutefois tu t'es trompé, tu as mal fait les choses, a posteriori, ce sera quand même kasher. Ça n'invalidera plus le korban. Ok? Donc, yvdil vachatat, vole yvdil baola psula. Ensuite, la Mishnah me dit maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Je vous ai dit que l'essentiel, c'est de mettre le sang sur le misbéach. Vous vous rappelez, pour la Rolata Off, on a dit qu'on lui déconnecte la tête complètement. Question. Si elle a déconnecté la tête, et le sang qui était sur la tête, il l'a mis sur le misbéach, et il a jeté ensuite la tête. Et ensuite, quand il a commencé à s'occuper maintenant du corps, il a fait une erreur. Et il n'avait pas mis de sang du corps sur le misbéach. Et par exemple, il a pris le poulet entièrement et l'a jeté dans le feu. Ok? Est-ce qu'il s'est... Est-ce qu'il s'est acquitté de sa mitzvah ou non? Ouais? Pourquoi? En théorie, on aurait pu croire que quoi? Si toutefois, tu as déjà donné le sang sur le misbéach, tu t'as quitté ta mitzvah. Alors il est vrai que tu n'as pas donné le sang du corps, tu as mis le sang de la tête. Mais peut-être qu'on pourrait dire que tu t'as quitté, le sang il est arrivé sur le misbéach. La Mishnah nous enseigne, non, on ne s'est pas acquitté. Regardez. Mitzah damarosh velo mitzah damagouf. Une fois qu'il a sectionné la tête, il a pris la tête, il a écrasé contre le misbéach, il a fait couler là-bas les quelques gouttes de sang qu'il y avait dedans. Il a ensuite mis le sel sur la tête, il a jeté, et puis après, il a pris le corps. Donc le corps,
de l'oiseau, d'accord ? Il l'a pris, il l'a sectionné, il a mis du sel, il l'a jeté, mais il a oublié de prendre le sang et de le faire mettre sur le misbéach. Donc, je reprends dans les mots. Mitzah damarosh, il a versé le sang de la tête, velo mitzah damagouf. Par contre, il n'a pas fait verser sur le misbéach le sang qui était du corps de l'oiseau. Psula, il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah. Le Barthénora rapporte de nouveau des ikar damim bagouf ou des shriché. Car l'essentiel du sang se trouve dans le corps. Et donc, quand la Torah t'a dit d'être mématsé le dam, de donner le sang sur le misbéach, c'est là où se trouvent toutes les parties qui concernent le sang. Où se trouve le foie et les poumons, je ne sais pas, ouais, quelques parties de. D'accord ? Donc, par contre, mitzah damagouf velo mitzah damarosh kshera. Par contre, si. Quand il a fait la olata off, il lui a sectionné la tête et il a oublié de mettre le sang de la tête sur le misbéach. Il a directement jeté. Et ensuite, il a pris, bien sûr, le sang du corps, il l'a mis sur le misbéach comme il se doit. Et bien là, il se sera acquitté, il aura accompli le korban a posteriori, bien sûr. Il aura quand même, on se sera acquitté du devoir d'apporter une ola parce que l'essentiel du sang, s'est retrouvé sur le misbéach. C'est tout pour aujourd'hui. Préparez-vous demain à ce qu'on ait une Mishnah très longue. Elle est relativement simple parce que elle va répéter tout ce qu'on a appris dans le Perek d'Alet pour tous les korbanot avec les bovins et les ovins, avec les animaux, d'accord, avec les mammifères. Alors, elle va nous répéter d'un coup dans une Mishnah toutes ces halakhot-là par rapport à la Khatata'of et la Olata'of en rapport avec le Pigoul. On essaiera de le faire au Bezrat Hashem assez rapidement et méthodiquement. Et je vous souhaite une excellente journée, que tout se passe bien chez vous. Kol tov, salam.